Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration donc qui semble valider une neutralisation de la dynamique ici entre 4738 et 4810 points. On avait testé un dépassement de la zone des 4810 points vendredi dernier, mais les cours étaient revenus ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. Aujourd'hui, la semaine débute ici au contact de la zone des 4738 points. On revient encore une fois chercher cette moyenne mobile 20 exponentielle qui agit désormais comme résistance. Alors, il y avait un gap sur l'ouverture ici qui a été comblé ou quasiment sur point de lettre. Alors, il faudra effectivement vérifier que cette zone qui se situe ici, cette ancienne zone de support à 4760, ne soit pas devenue comme résistance. C'est une zone intermédiaire, mais qui est assez importante. On l'avait déjà testé sur cette face-ci. Tant que l'on est ici dans cette zone 4738-4810, on est dans une zone de neutralisation, mais qui reste dans une dynamique de fond plutôt haussière. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste ici dans une phase baissière du point de vue du MACD et on commence ici à devenir baissier, même si c'est relativement neutre du point de vue du RSI. Donc, du point de vue de cette séance, où on n'aura pas de statistiques majeures, la zone des 4738, elle est majeure par contre, puisque nous avions ici quelques résistances ici sur cette phase. Il faudrait la préserver en tant que support pour garder une bonne conviction haussière de fond. L'autre élément sera cette zone des 4760 points. Dans un cadre plus large, tant que l'on est entre 4738 et 4810, ça reste relativement neutre d'un point de vue court terme. Sous 4738 points, on aurait ici une possibilité de test de cette oblique qui définit le bas du trend actuel, et sur rupture de ce support oblique, eh bien on aurait une sortie de cette dynamique avec un risque possible de retour sur la zone des 4640 points. Donc les niveaux à surveiller, 4760 et éventuellement sur un dépassement des 4760, eh bien on pourra viser un retournement ici et un retour sur la zone des 4810 points, sachant qu'au-delà de 4810 points, on regagnera encore une fois en dynamique et donc en conviction haussière, puisque on se rapprocherait ici de la fameuse zone majeure des 4897 points et on validerait la poursuite de l'évolution court terme à l'intérieur de ce trend haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en point matinal. Comme je vous l'indiquais précédemment, nous n'avons pas de statistiques majeures aujourd'hui. Toutefois, les marchés risquent d'être assez tendus à la veille du vote concernant le Brexit. Voilà pour ce point matinal. Passez de bons trades. On se retrouve à partir de 14h pour le Trading Live, dont le lien vous sera donné sur le chat du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.